Et salut YouTube. Alors, on repart pour un épisode de The Evil Within. Alors, la dernière fois, on était arrivé au début du chapitre 4, au tout début. Attendez, je parle pas au cas où. Voilà. On était arrivé là. Mais bien Pardon. sûr, Oui, j'ai de c'est l'atout. là que Leslie était traitée. Elle a dû venir ici pour se sentir en sécurité. Vous savez où on est? Mon frère est le directeur de cet hospice là-bas. Il nous aidera. Ça ne répond pas à ma question. Honnêtement, j'en sais rien. Si ça se trouve, je perds la tête et vous n'êtes qu'une hallucination. Mais autant croire qu'il me reste une once de dignité. Je dois absolument protéger mon patient. Et en tant qu'inspecteur, vous devriez faire de même. J'espère que son frère est un peu moins con. Pendant que ça trash. Alors, on va observer un peu les environs, tiens. Attendez, comment on joue déjà? Comme ça, d'accord. Voilà. C'est bon. What? Petit bâtard. Le petit bâtard. Il est encore en vie. Incroyable. Je croyais qu'il s'était pris ma flèche dans le crâne et c'est bon, mais en fait il en faut plusieurs. Alors attendez, on va construire des carreaux. Parce qu'on peut construire les différents carreaux et ça c'est cool. Alors, lumière. Ah bah super, un coffre. Oh c'est quoi? Fragment de carte. Putain, il m'a fait peur ce con. Je l'ai fait péter. Voilà. Impec. Une grenade. Un carreau aveuglant, ok, bon. Déjà full. Putain, mais il m'a fait trop peur ce con de Doc. Le Doc Rimenez. Alors ouais, j'observe un peu les environs. Ne me laissez pas, mais ferme-le. Je croyais que t'allais voir ton cousin, frère, je sais plus quoi, là. Ton frère d'hospice. Ok. Attendez, c'est là? Ou pas? Ici? Oh, j'entends un miroir. En fait, si c'est là... Je sais pas si c'est là. Oh, une hache. Je prends. Ah ouais, mais je peux pas prendre la hache. Attends. Nous devons y aller. Oui, la ferme. Je fais ce que je veux. Journal de Sébastien Casselleranos. Février 2005. Mira a failli se faire tuer cet après-midi. Un suspect qu'on poursuivait lui a tiré dessus. Heureusement que j'étais là. Enfin, elle va s'en sortir. Mais quand je l'ai vue toute ensanglantée, j'ai cru que j'allais la perdre sans même avoir pu lui avouer mes sentiments et quelque chose s'est déchiré en moi. Je crois que c'est réciproque. Il y a plus que de l'amitié entre nous. C'est interdit par le règlement, mais il faut que je lui dise ce que je ressens pour elle. J'espère qu'elle ne se moquera pas de moi. Oh, c'est mignon. Attendez, j'ai combien de gel? 300? Paf. Bah, ça vaut le coup, mais bon. T'as mis rien dans les caisses. Doc, cassez-vous! Merci. Hein? Qu'est-ce qu'il a, ce gosse? Ah, il est là-bas. D'accord. Bon, bah, ça veut dire que je peux rentrer dans l'autre maison. Putain, mais c'est immense! Il y a tellement de trucs à explorer. Ah, j'explore, hein. Police! Ah, moi, j'explore, j'en ai rien à foutre. C'est vrai. Ok, donc c'est chez le doc, donc on va pas y aller tout de suite. Paf! Le mec, il doit entendre en train de défoncer les portes, ça lui fait rien du tout. Moi, ça m'intéresse pas d'y aller tout de suite, moi j'aimerais bien explorer. Ok. Bah, merci pour le gel. Merci.
Est-ce que je dois aussi m'attendre à brûler aussi quand j'y vais? Je remets un peu de son. Ah merde! Faut être... Non. Mais... Pourquoi il a ouvert ce con? Il est malade! Paf. Oh, du gel. Double gel. Une bouteille. Ah, je peux pas aller par là? Attendez. Si, je peux y aller. Ce n'est pas le moment de rêvasser. La ferme. C'est moi le détective ici. Oh! Note ta villageois. Ils ont une Norman! Norman fait des vidéos. Ses appels à l'aide viennent de s'interrompre. J'entends des cris tous les soirs. Si je ne reste pas caché, je sais que je serai le prochain. Très bien. Et oui, Billy, tu seras le prochain. Bon, bah... On va trouver un journal. C'est pas mal. C'est pas le temps de... J'avais peur qu'ils disent... C'est pas le moment de rêvasser. Bien sûr. Alors... Alors, ok, donc là, c'est fermé. Leslie est dans cette maison-là. Mon cousin est dans cette... Putain, il... Vous savez, un joueur qui est même pas effrayé par les ennemis, il est effrayé par les PNJ qui sont autour de vous. C'est incroyable. Ah, d'un coup, je peux aller là aussi. Alors, attendez. Courir un peu. Ah, mais il y a peut-être des trucs à fouiller là-dedans. Là, il y a un méchoui, là. Oh, 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 oh. Un porc. Coucou, toi. Hop là. Et hop, je récupère ma hache. Des porcs. Il y en a un qui me dit sur le chat ou en commentaire comme quoi le porc ça me donne des ressources, je le tue. Hein. Je le tue tout de suite. Ah. Oh, des carreaux. Moi je les ai tous pétés. Mais comment on fait pour avoir les caisses en dessous? Faut tirer dessus? Oh, j'ai pas envie de gâcher des munes. Nous devons y aller. Oui. Ok, tu vas absolument y aller, alors on y va. Ça, vous avez un peu de perte d'FPS sur le stream? Bizarre. Paf! Oh! Bonjour. Cerveau. Lumière. T'as encore envie, toi? Non. Pff. Le cerveau. Psychologie 4.0. Bon, ok, on y va. Attendez, j'ai combien de gel? Ok, on va aller voir le doc et après on ira au miroir si on peut. Non, on va aller par là. Exposer l'intérieur. Ralentissez, non. Il faut y aller, Doc. C'est maintenant ou jamais. Oh, des allumettes. Nice. Oh. Pas tout seul. Pas tout seul. D'être ultra chelou. Chut. Putain de merde. C'est bon. Oui. Allez, tiens. Hop là. Hop, je récupère la hache. Je le dégage le corps. Il avait un truc sur lui? Pas du tout. Ils me font tous peur dans ce pays. Hop là. Maintenant c'est bon, police! Et il s'en bat les couilles en bas. Ah, du cerveau. Du gel Viveldop. Du gel Viveldop. Oh, ouais, on va retourner au miroir. Hein. Oui, bah c'est bon, hein. Pas passion, hein, ce mec, hein. Oh, c'est mon cousin! Faut que j'aille le voir.
Allons voir ton cousin. Le cousin Germain. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour, Doc. Je suis là pour une auscultation. Bonjour. Oula. Ça sent le plan cul, hein. Le mec décortiqué. Attendez, mais il doit y avoir des trucs par ici. Attendez. Ah, du gel. Nice. Il me dit il faut y aller, je le bute. Vous avez... Attendez. Vous avez des gros coups de lag. Ouais, c'est mieux. Ah, mais est-ce que c'est parce que je suis en plein écran? Ah, c'est peut-être parce que je suis en plein écran. Attendez. Tente un truc. Ah oui, mais... Attendez. Ah ouais... Il doit bien avoir un moyen. Attendez. Le grain de l'écran, je sais pas ce que c'est. Bon, on va laisser comme ça. Ça devrait aller. Cinématique. Mais il a complètement perdu les pédales. Regardez-moi ça. Exposer l'intérieur. Hey, qu'est-ce que vous faites ? J'ai une hache. J'ai une hache. Oh putain. Ouf. Et hop là. Oula, oula, ça tremble. J'ai même pas eu le temps de le cramer. Oh non, c'est ce bruit. Oh les cigales. Oh. What? What the fuck, il a repop? Ah non. Ah non, c'est le moment où il s'est transformé. Ok, c'est comme ça qu'il s'est transformé. Attendez. Je suis en train de voir que le son... C'est pas trop ça. On va mettre à 90. Voilà. Alors. Ouais. Attendez, c'est bizarre quand même, vous avez pas beaucoup d'FPS, vous. Là, on a 50 FPS. J'aime pas ça. Attendez. Est-ce que c'est le grain de l'écran par hasard? On va le mettre à 50, tiens. Pour changer. Okay. Ça ne peut pas être Ruvik. Ruvik. Ah oui, c'est vrai, Ruvik. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va trouver Leslie, on fait quoi? Bon, on va trouver Leslie. Alors vous avez 46 FPS d'après OBS, j'ai la même chose, hein. Donc pas de panique. Leslie, ça venait de dehors. Oui. 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 Allez. On va faire un petit coup de miroir avant que ça soit le bordel. Oula. Oula, je suis où? What? What? Ah mais en fait je suis pas... attendez, hop.
Alors, on est en noir et blanc. Les 80s. Bonjour. Ouah. J'ai ta lumière. Ah, c'est mieux. Hé hey. Infirmière. Tu veux pas m'aider? Allô. Allô. Oula, 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 oula. C'est Leslie? Ah d'accord, elle a disparu. J'en ai marre de ces effets spéciaux. Sortez-moi de ce cauchemar. C'est pas un journal. Journal. Patient retrouvé. On a retrouvé le patient disparu. Le directeur était mort d'inquiétude. Le patient en soins psychiatriques disparu depuis mardi dernier a été retrouvé caché dans un studio photo. Le docteur Valerio Jiménez parle de la volonté de Dieu. D'accord. Et dans le coup, là, c'est son cousin qui est disparu ? Disparu, docteur Valerio Jiménez, propriétaire de l'hospice Delk River. Aperçu pour la dernière fois dans sa voiture, direction de la ville. Ok. Ça se tient. Pour l'instant. Ah, je peux pas la défoncer. Bon, qu'est-ce qu'elle fout là-bas ? Ce signe ? Je suis sûr que ça veut dire quelque chose, ce signe. Où c'est que ça a toqué ? Y'a quelqu'un d'autre ? J'arrive pas à savoir où il est. Là-dedans ? Ah, je peux parler à personne, d'accord. Bon bah, on y va, hein. C'est les jambes qui disparaissent, on en parle ? Y'a quoi là-dedans ? Leslie ? Leslie ! C'est Sébastien ! What the fuck? Vous n'avez pas bonne mine. Faites attention à vous. Et merde. Ah. Merde, attendez. Attendez. Il y a un problème de lumière. J'arrive. J'ai la situation en main. Voilà, là ça devrait être beaucoup mieux. Bon. C'est tellement bizarre que vous soyez pas à 60 FPS, vous. J'espère qu'il y aura pas trop de diff. Sauvegarde. Le patient. Ok. Donc dans le coup, là, tout est bon. Ok. Bon. Pouh. What? Oula. Attends. Attends YouTube. Il y a beaucoup de problèmes là. Qu'est-ce qui se passe ? Attends. Pas de panique. Pas de panique. Ah, c'est bon, c'est revenu. Alors, je dois être revenu en live. De mon côté... ça me mettait full rouge et ça partait en cul. Bon, c'est bon, c'est revenu, super. Allez. Bon, on va s'améliorer avec le gel Viveldop, hein, n'est-ce pas ? Acheter du Viveldop, placement de produit.
d'ailleurs. Alors, on va améliorer toujours les armes. Tu vois, j'ai un peu pont. Je peux rien améliorer là-dedans. Le stock. Agonie. Ah, je sais pas. 10 000. Ah oui, c'est vrai que c'est 10 000. Carreau aveuglant. Non. Ouais, les allumettes, allez. On en a 10. Les carreaux, je m'en fous. Ça, ça peut être sympa. Puis voilà. On n'a pas beaucoup de balles de pompe en vrai. Hein. Allez. Et dans le coup, le doc, il fait quoi en attendant qu'on soit parti? Il est mort ou ça se passe comment? Je comprends comment quoi? Salut, Rémina. Oh putain, j'ai eu un petit freeze là. Attendez. En fait, je crois savoir d'où ça vient. On va le remettre à fond, ce truc là. Voilà. Voilà. Bon, on va aller voir les Leslie. Bienvenue à tous ceux qui vont arriver sur le chat ou quoi. J'espère que vous allez bien. Alors, attendez. On prend quoi? Le pompe. Arme de dissuasion ultime. On va rentrer quand même avec ça. Attention, c'est parti. Il me saoule, lui, parce que lui, il est même pas discret, lui. Il rentre en blablabla. Oh, des balles. Mais je suis déjà full. Attends. Bon, casse-toi, docteur. Des allumettes. Nice. On va pouvoir cramer des gens. Ah. Il est descendu. Ah, il s'est relevé tout seul. Attention. Ouais, on va. Oula. Ça sent le plan cul. Attendez. Y'a quoi là? Faut que j'aille au fond, hein. On est d'accord. Alors là. Ouh! Est-ce que ce serait une nouvelle arme? Là, en fait, je reconnais bien la patte de Shinji Mikami, parce que. Pour ceux qui connaissent les jeux Resident Evil, c'est pareil quand vous avez une nouvelle arme. Soit aller en évidence, soit aller dans une mallette. D'accord. Ouais, c'était une nouvelle arme. Leslie, il n'est pas... humain. Imaginez le twist. Il n'est pas humain. Alors, en fait, c'est un alien. Ah, pas de contrôle. Plan cul. Oula. Déjà, il y a une lumière spéciale. Ah, mais non, mais c'est un studio photo. Un studio photo ici. Oh, d'accord. Je vois du gel. Attendez, Doc, j'entends quelque chose. Oh merde. Quelque chose. Calme-toi. Oh la vache. What? Petit bâtard! Petit bâtard! Putain, il est invisible! Oh l'enflure! C'est un vrai concorde ici. Est-ce qu'on peut trouver un lieu sûr? J'en doute. Oh le bordel, ils sont invisibles! Allez. Oh. Vache! Moi j'ai rien vu! Vous l'avez vu, vous? Personne peut fuir. Attendez, je recherche. Oula. Aïe, aïe, aïe. Bon, par contre, on a du gel de partout, ça, c'est cool. Putain. Oh la vache. Mais...
Mais c'est moi ? Attendez. C'est moi sur les photos ? Elles sont floutées, certes, mais regardez bien. C'est moi, là ? Oula. Comment ça peut être possible ? Ah d'accord. Les escaliers ont disparu. Ah super. On commence à croire qu'on perd vraiment la tête. On perd la tête. Oh merde. Il va rentrer en état de psychose. On perd la tête. On perd la tête. Mon Dieu. Non. C'est Ruvik. C'est ça ? Bien lui, Ruvik. Ouais. Je le savais. Vous êtes qui, vous ? Non, n'y allez pas. Franchement. Est-ce que ça sert vraiment que je tire sur lui, sachant que le mec peut esquiver toutes les balles ? Bah voilà, j'ai bien fait de pas tirer. Docteur ? Le mec, il a esquivé trois flics avec... pour ceux qui ont vu l'épisode 1, si c'est pas le cas, je vous recommande d'aller le voir. Attendez, wow. Alors les effets, c'est normal, hein. Attendez, faut que j'aille vers la porte ou faut que j'aille vers l'arrière? Attendez. Ah, ok. C'est le coup du... T'avances, mais t'arrives jamais à la porte. Oula. Les règles d'une femme, pardon. Voilà, maintenant vous savez. Les connaissances de la vie. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oula, par contre, ça sent le plan cul, ça. Je vois un levier. Un levier, c'est quoi ? Ah non, c'est un carreau planté dans le mec. Ah ouais, d'accord. Faut que j'aille où ? Alors là, je vois une échelle. Bon, prenons l'échelle. Alors. Ok. C'est inflammable, ça ? On dirait de l'essence. Ok. Alors pour l'instant... Hein ? Ah oui, c'est inflammable. C'est inflammable. Inflammable, bien sûr. Hop. Bon, terrain inconnu. Pas de discrétion. Ok. Concentration. Hi ! Et merde, j'étais pas assez concentré. Bon bah, on va reprendre une seringue, hein. Et merde. Alors on peut monter. Pourquoi y a ça ? Pourquoi y'a ça ? Hein ? Quoi ça sert ? J'ai pas compris là. À quoi ça sert ce machin ? Super. Oh ! Un piège. Ah si, je peux le désavancer. Nice. Ah, il y a une autre bombe là-bas. On va peut-être aller la désamorcer. Oh, attendez. Nice. Nice, des balles de shotgun. Je vais peut-être aller la désamorcer avant de... Ah! Bon bah on va tirer dessus. Voilà. Ça, je suis sûr que je me la prendrai pas tout à l'heure. Pas tout à l'heure. Si des fois il y a des ennemis, parce que là franchement, vous voyez une salle vide comme ça pue la merde.
Allez. What? Ah d'accord, c'est un piège. Ok, mais dans le coup je dois faire quoi? Je comprends rien. Ah d'accord, il y a une porte. Ça fait quoi? Ah. Alors déjà on se sent un peu mieux. Oh, une grenade. Bon déjà, on a plus la mer de sang. Ça c'est cool. Oh merde. Faut pas le désamorcer ça. Non. On faudra faire gaffe. Oh. Oh, j'aime pas ça. Attends, on va allumer la lumière. J'aime pas ça. Ah bah génial. Ruvik. Ah, c'était le truc qui était sorti du mec à la tronçonneuse. Ok. Pas de panique. Je gère. Oh putain. On va se barrer d'ici. Ok, j'ai compris. Merde. Mais quel con! Ok. Calme-toi, tout va bien. Ah d'accord, c'est juste pour ça! Ok, plan cul. Là, je peux m'inquiéter. Attendez. Ok. Ah putain, ils prennent les échelles et tout. Oh putain. Et j'ai plus de seringue! Ah, j'ai plus de seringue! Premier qui passe la porte, je le démonte. Voilà. Encore? Allez, encore. Attends. Toi. Hop là. C'est bon. Ah bah super. Premier gros combat et je suis presque déjà mort en faisant le con. Oh yo yo. Ah oui. En tout cas j'ai toujours plein de grenades, ça c'est cool. Hop. Allez, donnez-moi une seringue. Parce que là, j'ai plus que ça comme vie. Hein. Ah non, ça régène. Ah d'accord, ça te régène quand t'es bas en vie. Ça c'est cool. Ah, attendez, je sais même pas ce que j'ai comme loot. Ok. Ok, alors attendez, on va créer des carreaux. Et... hop, prends-moi ça. Pas besoin de recharger. Alors j'ai pas compris par contre le coup du cadavre là. À quoi ça sert? Ah, attendez. Peut-être qu'il y a une clé, non? Ouais, je sais pas. Bon, pas grave. Alors. Bon, moi, il y a plein de gel. Ça, c'est cool. Enfin, franchement, je me tâte à augmenter la vie maintenant, parce que là, j'ai tellement pris cher. Oh, non. Oh, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. C'est la femme tarentule. Et merde. Oh putain. Et elle aime pas le feu si je me rappelle bien. Ah ouais. Comment elle s'appelait déjà? Je crois qu'elle s'appelle Laura. Ah non, mais ça sent le plan cul, je le sais tout de suite. Ah, ça sent le plan cul. Regardez, il veut mettre des balles et tout. Et regardez, vous allez voir combattre. Et regardez, il y a même du gel là-bas. Ouais, ouais, salut. Merde, faut que je dégage. Sans deck.
Oh putain. Oh. Oh. La chance. Je cours pas assez vite. Lui va se réveiller? Non. Ah merde, y'a un bouton. Oh putain. C'est bon. Descends. Putain. Je vais péter un plomb. Ah. C'est par où, c'est par où? Vite. C'est bon. Oui, 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 oui. Oh, vite, cramons-le. Elle se réincarne dans les cadavres. Ça, je l'ai compris. C'est bon, je suis pas con. Tout va bien. Tout va très bien se passer. Pas du tout. Alors. Pour l'instant, ça va. Oh, merde. Vite. Non! Oh, je le déteste. Oui! Ouais, mais je vais devoir améliorer le sprint. Je suis passé. Le sprint va falloir que j'améliore. Qu'est-ce que c'est? Ça va beaucoup m'aider, dis donc! Quand tu es une femme qui se téléporte. Bah, une femme tarentule, hein. Ça va être le nom de la VOD, hein, la femme tarentule. Peut-être pas, j'en sais rien. On va voir. C'est quoi cet escalier, là? Ah bah génial! Manquait plus que toi! Je suis pas là. Non mais il va remonter jusqu'à moi, là? Attendez. Qu'est-ce que... Oh là. Eh ben génial. Et je vais mourir. Ouah, la réalité augmentée, quoi. Vous avez vu ça? Inception, le machin. Doctor Strange. Incroyable. Ça se voit que j'ai pas beaucoup de voix. Ma voix a ripé. Watching. Ah! Eh bien, fin du chapitre 4. Ah. Eh ben, vous savez quoi? Vous savez quoi, YouTube? On va arrêter cette VOD là-dessus. Parce que je sens que le prochain chapitre, ça va être la merde. Je sais pas pourquoi. Mon instinct me dit que ça va être la merde. Bon, allez. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si t'as aimé, à t'abonner à la chaîne. Mais surtout, viens sur le stream. C'est mieux. C'est beaucoup plus fun. Allez, ciao ciao. Zou.